Here we go! Salut les geeks, c'est Geek Spirit pour un premier tutoriel sur donc After Effects. Donc je vous invite à aller retrouver sur geekospirit.com. Donc c'est un tutoriel assez intéressant, traduit de vidéo copilot, si vous connaissez, qui permettra d'obtenir un headshot et qui permettra aussi de voir les techniques principales, les bases d'After Effects, c'est-à-dire le suivi de mouvement, comment geler une image, le système de masque, etc. Donc on va tout de suite commencer. Donc vous démarrez After Effects, vous allez regarder dans la description de la vidéo et vous pourrez télécharger un Geekopack que je vous ai préparé où il y aura les fichiers et chiens requis dont vous aurez besoin. Donc vous les prenez tout de suite pour les copier dans votre dans vos fichiers, dans le projet, ici. Donc comme c'est le premier tutoriel que je fais, je vais rapidement vous présenter Adobe After Effects. Donc ici vous trouvez le projet avec tous les fichiers dont vous aurez besoin. Ici vous avez les compositions et la file d'attente de rendu. Donc la composition, c'est là où se passera, seront listés tous les fichiers qui sont présents ainsi que tout ce qui se passera, où on appliquera les effets, etc. La file d'attente de rendu, ce sera pour le rendu à la fin, donc pour enregistrer et exporter dans un format vidéo votre composition. Je vais aussi vous montrer ça, vous inquiétez pas. Et ici la composition, donc pour la pré-visualiser, donc vous verrez, c'est pas compliqué. Et ici vous avez quelques fenêtres, on verra rapidement, on s'en servira. Donc ici vous avez les fichiers du Geekopack. Vous allez prendre ce seed et le glisser ici ou ici pour créer une nouvelle composition. Voilà. On voit tout de suite que ça s'affiche. On peut faire appuyer sur 0 dans votre pavé numérique pour pré-visualiser cette vidéo. Donc voilà, on voit bien ce que ça donne. Donc vous allez juste partir d'une vidéo comme cela. Et vous allez voir que ça peut donner un bon effet. Bon, ici on se trouve dans le cas d'un suicide, mais vous pouvez très bien créer un headshot avec deux personnes séparément, un tireur et une cible, une victime. Donc, on va commencer par faire CTRL D, ou alors on va dupliquer le calque, c'est-à-dire CTRL D. Bon, je connais que le raccourci, hein, j'aurais bien voulu vous montrer l'autre, mais. CTRL D. Peut-être ici. Enfin, peu importe. Vous faites CTRL D, vous voyez tout de suite que votre film a été dupliqué. Vous allez prendre le film du dessus et vous allez chercher un endroit où vous ne voyez que le décor. À la fin. C'est-à-dire ici. D'ailleurs c'est intéressant parce que ça veut dire que quand vous filmerez vos propres vidéos, vous devriez faire attention à avoir au moins une image du décor sans personne. Donc une fois ici, on va faire calque, instant, geler l'image. Ce qui permettra d'avoir tout le temps la même image, comme son nom l'indique, geler l'image. Donc voilà. On va placer ça, on va sélectionner le calque, donc celui du dessus où on a fait geler l'image, donc le remappage temporel. On va appuyer sur T pour l'opacité, donc la transparence, ou alors tout simplement transformer opacité. Donc le raccourci c'est T comme transparence. Et on va le régler à 50%, voire moins au pif, juste histoire de voir le calque en dessous. Donc voilà, 33%. Donc là, le personnage qu'on voit, il vient de ce calque. Donc on va revenir un peu avant. Et on va essayer de faire en sorte... Voilà, on voit bien que ça correspond. Mais là, le problème, vous le remarquez bien, c'est que le fond ne suit pas la vidéo. Donc ça, on va s'en occuper tout de suite. Donc on va faire clic droit
créer un objet nul. Donc un objet nul, ça sert à quoi? Ça sert juste à enregistrer des données. Donc c'est un carré transparent qu'on ne verra pas dans la composition. Donc ces données, on va en fait les prendre de la vidéo du départ. On va créer un suivi de mouvement. Donc fenêtre, suivi. Bon, moi j'avais une interface personnalisée, mais peut-être que vous l'aviez déjà ici. Donc vous cliquez sur suivi de mouvement. Vous allez cocher rotation et échelle. Et là, on va chercher deux points qui se distinguent dans la vidéo. Il faut bien faire attention à se placer au début de la vidéo, avant tout. Et ensuite, on va prendre deux points distincts. Donc par exemple, ce lampadaire. Voilà. Ainsi qu'un point distinct dans le buisson. Donc par exemple, cet endroit clair. Donc je vais vous faire une petite explication, même si c'est pas vraiment nécessaire. D'abord, je tiens à préciser que pour se déplacer dans l'image, le raccourci de la main, c'est espace. Donc espace et vous cliquez pour vous déplacer. Donc à quoi ça correspond tout ça? Donc ça correspond à l'élément désigné. Donc ici, c'est celui-ci. Et ça correspond à la zone dans laquelle on va le chercher image après image. Donc c'est tout, c'est juste à titre indicatif. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va faire ici analyse vers l'avant, donc c'est le petit symbole play, et on veille à ce que les points suivent bien comme on veut nos points distincts. Donc pour l'instant tout se passe bien. Voilà, c'est parfait. Si jamais vous avez un problème que le point va n'importe où, vous faites réinitialiser ici et vous choisissez un autre point. Vous recommencez, suivi de mouvement, etc. Donc là, on a notre suivi, on peut le voir là. Ce sont des traits qui sont un peu confondus ici. Donc on va cliquer sur appliquer, X et Y, ça veut dire les positions horizontales et verticales. Ok. Et là, on peut voir que c'est appliqué à l'objet nul. Donc je ne l'ai pas précisé ici, mais si l'objet nul avait été placé en bas, ça n'aurait pas appliqué les positions à l'objet nul. Donc vous auriez dû cliquer sur définir la cible et choisir objet nul. Donc voilà. On peut très bien voir avec une visualisation, pardon, en cliquant sur nul. Pardon, pas une prévisualisation, car comme je l'ai dit, on ne voit pas l'objet nul dans la composition. Mais on voit qu'il prend bien le suivi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le symbole hiérarchique. Donc c'est quoi ça? C'est ici le petit rond. Donc le symbole hiérarchique du fond, pardon. Voilà, on va laisser à cliquer. Et on va l'assigner à l'objet nul. Donc là, le fond va prendre toutes les positions de l'objet nul. Donc on va faire une prévisualisation pour voir ça. C'est bon, sauf qu'ils ne collent pas ensemble. Donc tout ce qu'on va faire, c'est de bien le placer dessus. Voilà. Il faut être bien attention d'être au début. Donc là, on va faire une prévisualisation. Voilà, c'est parfait. On voit bien, ils sont confondus.